Bonjour Flantil. Eh bien, je suis en entrée de ville. Ça, c'est mon vélo. Nous voyons l'ancienne usine Dresser avec son ancien stade. Et qu'est-ce que je vois? Des clôtures. Alors, pourquoi s'y intéresser? Ça permet de dater une époque. Et puis, c'est de l'histoire urbaine ou l'histoire des équipements. Donc, je trouve que ça vaut la peine d'être observé. Et puis, chaque barrière, chaque clôture a sa particularité. Et qu'est-ce qu'on voit? Je n'avais jamais remarqué, clôture bataille, ponton de mer, 32, 41, 40, 55. Alors on arriverait à voir à peu près dans quelles années c'est, grâce à la numérotation téléphonique. Donc c'est une barrière très simple, écoutez, c'est assez ancien, mais ça a très très bien tenu. Voilà, si on voit l'ensemble de la barrière, ça a très très bien tenu, c'est assez long. C'est pas le type de barrière courant au Havre, hein, mais il faut dire, si ça vient de l'autre côté de l'eau, c'est peut-être normal aussi, qu'on n'en voit pas énormément. Enfin, en tout cas, c'est de bonne qualité, ça a très bien tenu. Et je pense que c'est à conserver pour le patrimoine, parce que ça peut intéresser des gens qui s'intéressent, qui se passionnent pour l'histoire de sociétés, d'entreprises. Donc, on a un exemple. Regardez, c'est bien fait. Hein. Là, regardez au coin. Tout a parfaitement tenu. C'est vraiment impeccable. Là aussi, on retrouve un peu en mauvais état la présentation. Mais regardez, c'est une beauté. C'est très bien conservé. Une société de qualité. À bientôt.